c'est dur de les attraper tous les trois en même temps. C'est ça. Les stabiliser tous les trois en un même point, c'est assez dur, quoi. C'est pour ça qu'on a des puces. Et ben, mettre du shampoing alors. Ben, mets-toi un collier et puis c'est pas ça, chier. Grave. C'est pas. Et c'est qui le punk de chien là? Juste pour savoir. Sans début de soirée, non, début de soirée. Pardon? Bah, les anciens sont devenus sourds. Moi, je sais, moi. C'est eux qui ont changé en 20 ans. Non, essentiellement, la technique, la technologie qui a beaucoup évolué, qui est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus maniable, qui offre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus facilement. Et donc, qui a ouvert le champ de possibles pour le. Enfin, qui a ouvert beaucoup de possibilités pour la musique électronique. Et le public, disons peut-être il y a 20 ans, c'était un petit peu plus neuf. Donc, c'était un petit peu des gens de tous horizons qui découvraient un truc. Maintenant, c'est peut-être plus codifié après 20 ans de culture rêve. Voilà, nous à 14-15 ans, on écoutait pas mal de trucs variés et quand même assez. Bah oui, t'écoutais quoi à 14-15 ans, tiens, ça m'intéresse. Front 2, 4, 2. Yorda. Réflexe. Chantal Goya. Dépêche Mode. Moi, ce que j'ai remarqué avec le changement de public, c'est qu'il y a eu un durcissement du public les 10 dernières années, quand il a commencé à avoir la grosse avant Mariani, quoi, quand il y avait des teufs. Ça, c'est parce que là. Et maintenant, on retrouve un public qui est moins ciblé techno aussi dans les saps et tout ça. Et ça, moi, j'adore. C'est-à-dire qu'on voit des gens un peu de partout. C'est vrai qu'il y a 10 ans, t'allais en teuf, tout le monde avait un truc militaire et tout. Et aujourd'hui, ça revient un peu comme au tout début. C'est la première fois que j'ai vu de la techno, tout le monde était déguisé avec des trucs fluo, ça partait dans tous les sens. On n'en est pas encore là, on retrouve ça déjà plus dans d'autres pays, mais il y a un peu cette idée quand même. C'est la mode des punks à chien qui est passée. Ouais, mais tant mieux, franchement. Et la Bretagne alors, c'est un public particulier, vous trouvez que ça bouge plus ici qu'ailleurs? Comment tu le décris? C'est pas pareil. C'est des authentiques accrochés, des authentiques accros. C'est vrai que la free a pas mal pris plus en Bretagne qu'ailleurs. Pas dans le mauvais sens du terme, plus pour un public. Pas parce qu'ils boivent plus qu'ailleurs, hein, non. Plus pour le. Voilà, c'est un public vraiment qui sait ce qu'il veut et qui n'hésite pas à le faire savoir. C'est vrai. Ouais, c'est dans ces. Les seules soirées, c'est en Bretagne où je me suis pris des verres dans la figure, c'est en Bretagne. Pourtant, je jouais la musique et tout, hein, je faisais tout comme ils voulaient, mais ils m'ont quand même balancé de la bière. Donc, ça doit être un code particulier. Je pense que plus ils t'aiment, plus ils te mettent la misère. C'est ça.